moi aussi. J'avais peur de l'orage à ton âge. Tu l'as gardé ? Maman. Elle est pas plus ta mère que je suis ton père. Je ne m'étais jamais confié à personne sur mon histoire. On va où ? Tu le sais très bien. Je te conduis à l'orphelinat. Rémi ! Non ! Attrapez-le ! Attrapez-le ! Qu'a pu faire cet enfant pour qu'il s'attire les foudres de tout un village ? Sauf votre respect, monsieur, c'est pas votre affaire. Je vous propose de louer cet enfant. Je m'appelle Rémi. Vitalis, monsieur Vitalis, artiste ambulant. Vous connaissez déjà Capi, petit mécontent, là, se nomme Joli Cœur. Approchez les enfants, car le spectacle que nous allons vous présenter est reconnu pour être le plus extraordinaire de France. Je t'ai loué à Barberin pour chanter. Devant des gens ? En effet. Je vous avais dit que j'y arriverais pas. Mais tu as le trac, c'est normal au début. Tu as un don, Rémi, celui d'émouvoir ceux qui t'entendent. Mon maître ne m'avait pas menti. J'aimais chanter. Et je savais déjà que je ne cesserai jamais de le faire. J'ai peu d'occasion de voir ma fille rire autant. Mon cher Rémi, ma mère et moi semblons avoir retrouvé tes parents. En avant. Je retrouve mes parents, Capi. Emmenez-les. On peut pas. On n'y arrivera pas. Je te promets qu'on va y arriver. Allez, foi en moi.